Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi, c'est le 15 septembre 2021. La rentrée parlementaire a eu lieu aujourd'hui. Députés et sénateurs renouent avec le palais du peuple. À Lingwala, nous sommes à Kinshasa. Les principaux enjeux de cette session de septembre, connus essentiellement budgétaires, mais avec beaucoup de sujets très, très importants. Notamment, la CENI, il y a également cette affaire de la pétition contre le président de l'Assemblée nationale en gestation. On en parle avec un élu du peuple dans ce numéro de Kinshasa Direct. Policiers et journalistes, une cohabitation par moments difficile à Kinshasa, surtout lorsqu'il s'agit des manifestations. Nous aurons, tout va très bien, Gaby Kouba, le président de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo au niveau national, pour en parler. Notre confrère d'actualité.cd a été donc interpellé de manière... la méthode a été tout simplement rude, et, comme vous le savez. Mais d'abord, l'actualité chez nous, elle s'impose. Les grandes lignes avec vous, Christian Kalongi, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous, madame, messieurs. Place à l'actualité sur Télé 50. C'est la rentrée parlementaire. Les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle ce mercredi 15 septembre 2021. Il s'agit d'une session essentiellement budgétaire qui va se pencher sur d'autres questions brûlantes telles que celles relatives aux élections de 2023. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a déposé le projet de loi de finances 2022 à l'Assemblée nationale ce mercredi. Une première dans l'histoire de la RDC que ce document soit déposé dans le délai constitutionnel. Le projet du budget 2022 est fixé à 10 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 41,5%. La marche de la coalition Lamouka n'aura finalement pas eu lieu ce mercredi comme prévu. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. La presse a également été victime de la brutalité. Et puis un incendie a dévasté l'hôtel de poste de Bukavu dans la nuit de ce mardi à mercredi. Le gouverneur Théo Ngwabidje, qui est descendu sur place, a ordonné l'ouverture d'une enquête. Les services du parquet sont à pied d'œuvre pour établir les responsabilités. Et puis en Guinée, pour terminer, les concertations se poursuivent à Conakry. Les forces vives et partis politiques participent à ces échanges qui aboutiront à la formation du prochain gouvernement. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Nous sommes en direct sur les aléas. Nous allons bien sûr démarrer ce grand live dans quelques instants. Là, on est déterminé à partir d'aujourd'hui pour la Nabatou, nous sommes sur le détruire via Bano, partout Basali. Ma membre G24 est partout, la police, ma service de renseignement, tout, on est ensemble et déterminé
pour éradiquer ces phénomènes. Moi, je suis confié à Antigolabombe. Donc, on détruit le papier banane. Donc là, on est déterminé à aller plus loin. Vous avez l'autorisation. Partout, vous allez trouver où on vend la drogue. Parce que nous sommes beaucoup basés au courant. Pour tout éradiquer, vous organisez. G24 à Lobby, Jeune Tika Bombe, Ekobe Bisayo. Je reçois Ernest Ndingo, député national. C'est l'élu de la province. Il est élu de la circonscription électorale de Kungu. C'est dans la province du Sud-Ubangi. Sud-Ubangi a aussi le Kungu. Oui. Formidable. Le pays est vaste avec beaucoup de réalités. Ernest Ndingo, vous êtes député national, comme je le disais. Vous faites partie de l'Union sacrée. Alors, au-delà du budget, une session qui s'annonce agitée? Oui, bon, pas agitée parce que là, nous allons nous concentrer pour parler du budget. Et d'ailleurs, je tiens ici à passer à féliciter notre gouvernement de l'Union sacrée. Et c'est pour la première fois que, déjà, les premiers jours où on a ouvert la session et que les budgets soient déjà déposés à temps. Et jadis, on pouvait entendre un mois et demi. Et là, c'est vraiment une première et je tiens à féliciter ici ce gouvernement de Warrior. Alors, nous allons parler budget, nous allons examiner notre budget. Agitation, je ne pense pas, parce que... La CENI, vous allez trancher. Les confessions religieuses n'ont pas trouvé justement mon modus vivendi. 6 contre 2, il y a blocage, il y a impasse. Qu'est-ce que vous allez faire lorsqu'on écoute les discours de Mbosso Nkodia-Poanga, le président de votre chambre? Eh ben, on sent que c'est le forcing qui s'annonce. Non, du tout, du tout. Nous avons un président qui a été... avant qu'il ne soit président du bureau définitif, il a été le président du bureau d'âge. Et c'était sur base d'abord de son âge. C'est un vieux qui nous a déjà démontré plusieurs fois qu'il était très sage. Et l'espérance, il y a aussi. On n'en va pas arriver à ce forcing-là comme les gens pouvaient l'imaginer. Je sais que si jusqu'à aujourd'hui, les choses tardent encore. Et là, aujourd'hui, il nous a rappelé que nous, en tant que... Assemblée nationale, nous allons faire notre travail et à chacun de faire aussi son travail parce qu'on ne veut pas que demain, nous nous soyons accusés d'avoir été à la base d'un retard. Il va se dérouler des problèmes, certes, mais le président, notre président Mbosso va jouer avec son poids d'âge et la sagesse et nous allons atterrir donc au bon port. Et quelle est cette sagesse qui va jouer quand on sait que les 6 contre 2 n'ont pas trouvé... justement la solution jusque-là ni Kadima ni Paul Sapou vous à côté Union Sacrée apparemment vous êtes pour l'intérimement de Kadima Denis, alors dites-nous quelle est la sagesse qui va jouer, qui est-ce qu'on va encore placer, est-ce qu'on va renvoyer les confessions religieuses encore à un débat, à des discussions. Session des négociations et je suis sûr que les portes sont encore ouvertes et on va continuer avec la discussion. Je ne vais pas ici spéculer ou bien délivrer ici les secrets de ce qui se passe. Il y a eu une commission paritaire qui est là, juste ici, en train de travailler. Ils ont travaillé dans les délais et les présidents n'a cessé de le dire que nous sommes là pour construire ces pays-ci et que le dossier de la CENI, qui a divisé jadis, quand c'était le cas Malonda, on ne peut pas encore y revenir pour que ça nous divise encore. On va trouver un compromis, donc surtout les consensus. Donc le compromis, c'est Kadima, une alternative qui exclut Denis Kadima. Je ne dis pas ça ici, attendons, vous allez voir ça avec moi, Fabien, qu'on va trouver la solution. Au niveau de la Chambre haute, Modé Sebati appelle à l'unité. Il salue les avancées. Vous êtes d'accord qu'il y a eu des avancées quand même
au niveau du pays, les différents problèmes. Le peuple se retrouve, il n'y a pas fracture sociale. Avec la marche qui venait d'être d'abord empêchée, reportée et puis empêchée parce que les organisateurs n'avaient pas accepté la décision de l'hôtel de ville. Oui, même si nous sommes dans un régime d'information, mais vous savez que depuis toujours, quand une marche n'est pas autorisée par l'hôtel de ville, et cela veut dire qu'ils ne seront pas prêts, parce que c'est le gouverneur qui met en place des dispositifs sécuritaires avec la police et tout, pour essayer un peu d'encadrer la marche. Mais encore qu'aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire, et qu'il y a encore des marches à côté, moi je pense que ce n'était pas vraiment le moment indiqué pour autoriser ça. Bon, et ça n'a pas eu lieu, comme toujours, car la loi reste à la force reste à la loi, et bon, voilà, et peut-être prochainement, nos frères de la Mouka vont encore projeter une autre marche qui sera peut-être autorisée en bonne et due forme. Par rapport à ce que le président Amoudé Sebatch a dit, c'est vrai, nous venons de très loin, et avec le gouvernement Samalou Kondé qui venait de totaliser ses 100 jours, je pense qu'il y a quand même des signaux, des bonnes volontés, et que nous allons les accompagner pour que cela soit vraiment fait dans de bonnes conditions pour que nos populations se retrouvent. Nous sommes des élus et souvent, quand ça ne marche pas, c'est sur nous qu'on tire à boulet rouge et on ne peut que se tenir pour que les choses avancent. Il y a vraiment la volonté et avec l'appui de tout un chacun, Parlement et puis gouvernement, la population pourra un peu respirer. Vous parlez de la sagesse. Vous ne voulez pas annoncer les choses qui restent encore un secret. Voyons voir. C'est 3 mois la session, chaque session parlementaire, surtout les sessions ordinaires. Voyons voir, parce que c'est le dossier, parmi les dossiers les plus brûlants justement de l'heure, comment cette sagesse va jouer, et on en saura un peu plus. On ne peut pas brûler les étapes. Nous parlons du contrôle parlementaire. Contrôle parlementaire, une pétition en gestation, sans signature, qui serait déjà récoltée pour pouvoir pour attaquer le président du bureau de votre chambre. C'est un climat qui va bien vous permettre de voter le budget en toute liberté quand le président est sur un siège éjectable. Oui, Fabien, je ne sais pas. Nous sommes là en session budgétaire qui a commencé aujourd'hui. Et je vais faire un récapitulatif parce que nous venons d'ouvrir la session aujourd'hui. Mais notre session de mars a fonctionné, a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on a eu à travailler sans désemparer au niveau de notre chambre parce qu'on n'a pas eu à fermer la session. Parce que selon l'article de la Constitution, quand il y avait l'état de siège et la clôture était d'office retardée. Et nous avons eu à travailler du mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Donc là, au moins, j'ai dit encore un coup de chapeau à notre chambre qui n'a pas pu se laisser pour qu'on puisse aller en session parce que c'était utile pour que nous soyons ici. Il y avait la prorogation et aussi il y avait d'autres matières qu'on avait traitées. Alors, par rapport à la pétition et si le président serait sur une chaise éjectable. Je pense que, bon, je ne sais pas jusqu'ici si on a entendu parler. Bon, est-ce qu'on peut établir si les remèdes, je ne sais pas moi. Vous avez entendu parler, mais certains signataires de cette pétition se sont déjà prononcés. Certains autres députés du FCC, d'autres forces politiques. Vous dites, vous avez entendu parler. Dans les réseaux sociaux, comme toujours, et on nous balance des messages par-ci, par-là, il y a pétition, ceci. Bon, Fabien, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, je n'imagine vraiment pas quelle serait la motivation exacte de cette pétition. C'est quoi la motivation de cette pétition? Suivi parmi les initiateurs et les signataires, on parle d'une façon cavalière de la part du président de l'Assemblée nationale de diriger les plénières. D'abord, il bloque le contrôle parlementaire efficient et efficace devant aboutir à des sanctions, par exemple, de certains membres du gouvernement. Et le vrai contrôle parlementaire est bloqué
et les députés sont considérés ou seraient considérés tout simplement comme des élèves dans une école. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le président a ramassé toutes ces questions-là. Il nous avait déjà dit en son temps que à chaque fois qu'il y a un gouvernement, il y a quand même une petite période qu'on peut qualifier de moratoire. Moratoire, cela veut dire, même si on nous disait que non, bon, il y a la continuité des affaires de l'État, Fabien, tu ne peux pas occuper un poste aujourd'hui et on te demande de justifier quelque chose qui s'est passé il y a deux ans, trois ans. Le gouvernement s'est installé il y a peu. Et maintenant, après les 100 jours... C'est la continuité des affaires de l'État. Les présidents... Pourquoi ne pas permettre à ce que ceux qui sont de l'exécutif viennent rendre compte au peuple à travers ses représentants? Est-ce que c'est une démarche noble? Il y en a eu. La continuité des affaires de l'État. On peut rendre compte sur la gestion passée parce qu'on est venu dans un secteur où on continue les affaires. Il y en a eu, par exemple, les initiatives qui ont été déposées en bonne et due forme. Nous avons, je parle ici d'un cas patent de notre collègue Moïno Kasekwa, quand il a interpellé les ministres des ressources hydroélectriques, il a été là-bas. Il était là, il est venu, on l'a écouté et après, les propriétaires de la question avaient conclu et avec des suggestions. Donc, dire qu'on a bloqué, je ne pense pas. Et d'ailleurs, nous allons parler ici des cas, des faits qui sont plausible, visible. Mais il ne faut pas établir parce qu'on dit il a bloqué. Il a bloqué quoi? Vous avez amené quoi et il n'a pas eu quoi? Je vais ici vous dire, il y a de cela plus d'un mois, la commission défense et sécurité a ouvert ses portes et nous sommes tous, moi je suis de la commission PAJ et j'y ai assisté à chaque fois. Les députés ont exigé qu'il y ait au moins un examen à mi-parcours de l'état des sièges. Même si c'était un domaine vraiment sensible où on ne devait pas donc dévoiler certaines stratégies militaires, mais ça y est, le président n'a pas bloqué. Et le président, d'ailleurs là, j'ai salué les nouveaux bureaux de la commission défense avec l'honorable Mbonzi, l'honorable Jack Njoli, qui conduit de main de maître cette commission. On a commencé à examiner. Quand on dit bloquer qui? J'ai vu défiler toute la délégation, ou bien ceux qui étaient invités là-bas. Je vais vous parler ici des ministres de la Défense qui étaient là. Le chef d'état-major général est passé. Et la presse a couvert, la liste est longue, la liste est tellement longue. Monsieur le député, alors, comment alors on va dire que non, les ils ont défilé devant la commission Défense et Sécurité. Voilà. Et même certains mandataires. Voilà. Mais qu'a donné cette évaluation? Attendons à la fin. Et là, déjà hier, nous étions là pour faire les derniers amendements. Et bientôt là, on va rendre public ce qui sera donné. Une évaluation des façades? Pas des façades. On a été là-bas. Il n'y a eu pas de jet de cache-cache. Les députés étaient trop directs vis-à-vis de tout ce qui était là-bas, comme ministre, ceci. Et en tout cas, il y a un changement quand même ça, par rapport à ce moment. Ça a changé quoi dans la gestion de l'état de siège en Ituri et dans la province du Nord-Kivu? Ça a changé quoi exactement? Ça va changer. Le président de la République venait de donner de nouvelles orientations. Cette évaluation devait permettre de rectifier les tirs parce qu'on dit qu'il y a des choses à revoir sur le terrain. J'ai eu une évaluation à mi-parcours. On va attendre les conclusions qui sortiront très bientôt là et on va voir ce que ça va donner comme résultat. Et par rapport aux autres, aujourd'hui le président a dit, nous avons donc à partir de maintenant, on va constituer des équipes de contrôle, que ce soit du côté domaine minier, ceci, cela, et ça va évoluer. Il dit il n'y a pas que les gouvernements ne nous prennent pas demain ou après-demain comme si c'était un acharnement, mais nous, députés, nous allons faire notre travail en bonne et due forme et que chacun puisse faire aussi son travail. Et là, quand on dit que non, il a bloqué quoi, je ne sais pas moi, le président Mbosso, il est là, un fin stratège, un fin politicien, il sait au moins comment il nous emmène. Fabien, je vous dis une chose. Là aussi, entre nous aussi, soit dit, les députés parfois croient que bon, il y a quand même des démarches à suivre quand on doit déposer quelque chose ou bien des initiatives. Tout se passe par d'abord, on dépose, normalement c'est bien, mais après, il y a quand même des étapes à suivre. Il y a aussi des initiatives qui sont déclarées non recevables. Et aujourd'hui, il a rappelé que non, à cela, il faut quand même qu'il se
réarme encore pour revenir peut-être après avec des suggestions pour que l'air de se passe. Donc un contrôle parlementaire, avec tout là. Un contrôle parlementaire pas très efficace, alors que l'IGF est en train de damer les pions. Donc l'exécutif, on a là la présidence de la République qui dame les pions aux représentants du peuple. Nous continuons justement cet échange pour boucler dans quelques minutes seulement. Vous êtes député national, vous avez été auprès de votre base. Oui, à Kungu. Dans la province du Sud-Ubangi, ouais. Dont le chef-lieu est Gemena. Et Gemena, voilà. Voilà, ouais. L'ancienne province de l'Équateur. Voilà. Dites-nous ce que votre base vous a dit réellement. Vous venez, bientôt vous aurez vos jeeps, ou c'est déjà, ils sont déjà Kinshasa. Et au lieu d'avoir les ketch, vous avez préféré les jeeps qui coûtent cher. Et la base, elle est en train de serrer la ceinture. Est-ce qu'elle est contente de vous? Bon, Fabien, je suis parfois un peu très écœuré quand je vois les gens spéculer par rapport aux jeeps, quand on doit donner un trick aux députés. Nous sommes quand même la représentation nationale, nous sommes l'émanation de la population, oui. Les souverains primaires. Mais le peuple souffre. Au lieu d'avoir les ketch, vous avez préféré les jeeps. Mais les ketch, qui nous a donné les ketch et que nous, on a refusé? Non, c'est une proposition. Qui vous a donné les jeeps? Quand on souscrit. Qui vous a donné les jeeps? On a souscrit. On a souscrit et ce n'est pas une première, Fabien. En 2003, il y avait une assemblée, donc des députés ici, qui étaient d'ailleurs cooptés. Il n'était pas des élus. Députés cooptés après les 1 plus 4, la transition, on amène l'autre RCD, amène. Ils avaient des jeeps. On doit prendre des mauvais exemples. Non. On parle. Kabound, ouais. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, ouais. A fait une proposition justement concernant la réduction du train de vie des institutions, ouais. Et même de leurs animateurs. Ouais. Alors, vous pensez que avoir une voiture ketch qui coûterait aux environs de 4 000, 4 500 sans plaque d'immatriculation, et avoir une Jeep qui coûterait au-delà, par exemple, de 40 000 $, c'est serrer la ceinture, c'est la réduction du train de vie des institutions. Cette proposition est venue quand? Et depuis toujours, il n'y a pas la... Je vous donne un exemple. Les ministres, quand ils entrent, à peine 2 mois, ils ont des Nissan Patrol. Ça, ce n'est pas un problème. Vous êtes le représentant du peuple, non? Voilà, raison pour laquelle nous avons eu à chômer, à moisir, à marcher parfois à pied pendant 2 ans d'Iran. En tant que député, il y a des collègues qui sont là, qui viennent aujourd'hui en ketch, en moto, ils entrent là-bas. Ça fait l'honneur de notre pays. Le peuple qui est votre patron, mais au moins, par rapport, il fait les pieds. Il vit dans les conditions difficiles. Une voiture comme ça qui est juste un moyen de transport pour qu'un député puisse se rendre en son lieu de travail. On ne nous a pas proposé pour souscrire pour un ketch et qu'un député avait refusé, non. Au moins, on avait juste besoin d'un mode de transport qui peut nous aider à aller et rentrer bonnement à la maison sans trop de tracasserie. Donc, pour ça, ce n'est pas aux députés de dire que non, on a choisi ça ou ça à la fin de ça. Quels non, sont non. les besoins à Kungu dans les besoins à Kungu dans le Sud-Ubangi, comme toujours, c'est un territoire à vocation agricole à Kungu. Et Fabien, nous ne demandons pas trop par rapport au gouvernement. Nous sommes là, on demande que les ministres de l'Agriculture puissent arranger pour nous les routes des dessertes agricoles. Jadis, à Kungu, quand nous étions encore enfants, il y avait des sociétés comme Res Zahi, Sibé Zahi, qui venaient acheter des cafés, des cacaoyers, et la population au moins vivait quand même sa vie sans trop de problèmes. Aujourd'hui, tout est abandonné, les plantations et tout, faute des routes. J'ai à compter, on ne peut pas rester ici à Kinshasa dans un bureau climatisé et parler des problèmes de Kungu. Non, non. J'aimerais à ce que le nouveau gouvernement qui est là, je demanderai au Premier ministre Samalou Kondé avec son équipe d'un jour arriver à Gemena, chef-lieu de ma province, et pourquoi pas à Kungu, chez nous là-bas, pour palper du doigt la réalité qui se passe à Kungu. J'ai compté de 2001 jusqu'à Samalou Kondé au moins 7 ou 8 premiers ministres. Personne n'a foulé pied à Gemena chez moi. Comment on va alors y penser si on n'a pas été là-bas? Même pas un mètre de macadam. Nous donnons la chance à ce gouvernement ici que non, au moins les choses vont être boostées par rapport à ça. Pas grand-chose, les routes de cette agricole. Si c'est aménagé, si c'est arrangé, on va décoller parce que nous sommes parmi les greniers de ces pays qui donnent tous les
d'huile de palme, les caféiers, les arachides, les maïs et tout. Pourquoi pas les cacao même? Les cacao jamais même. Consommé voilà. Guadolité, nous avons Guadolité, à l'état pur et même Guémena, à Guémena. Nous avons des grandes plantations comme Palmeza, Gosuma, comme Komole Mokoussi, là où il y avait des grands élevages, cacaoyers, palmeraies et puis autre chose. Aujourd'hui, c'est abandonné et si c'est réhabilité, ça va nous donner quand même du boulot. En une phrase. Ouais. La proposition de loi Tchani est endossée par Pouloulou. Ouais. Est-ce que vous allez l'examiner ou vous avez cédé au chantage de Katumbi Tchapwe? Non, il n'y a pas de chantage de Katumbi Tchapwe. Cette loi a été déposée. On s'est connu que c'est la loi venue d'ailleurs, endossée par notre collègue Singin Pouloulou. Ça a été déposé. Ça va suivre son bonhomme de chemin jusqu'à ce que si c'est conforme à la Constitution, ça sera traité. Sinon, on va les débouter comme toute autre initiative parlementaire qu'on peut donc ramener. Donc, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de cette poids, session ne prévoit pas, par exemple, une matière dans ce sens. Non, même si le président a parlé qu'aujourd'hui, il aura aussi des réformes à entendre pendant cette session-ci, mais on ne va pas, il a parlé, on va nous amener des lois qui vont fédérer et qui va parler beaucoup plus du social. Même ces budgets-ci, nous voulons que ça soit beaucoup plus un budget social pour notre population, pas des sujets qui vont essayer un peu de nous distraire pour que les gens... Nous sommes union sacrée, nous soutenons la vision du chef de l'État, nous devons être ensemble pour cheminer ensemble et jusqu'à ce que certaines choses vont peut-être aller de l'avant. Pas des sujets qui vont nous distraire là-bas, je ne sais pas trop. La sagesse est là et puis la politique est là aussi, mais on va tout en mettre en... On va voir dans les jours qui viennent à quoi rime la sagesse du speaker de la Chambre basse du Parlement. Ernest Ndengo Bapalembi, député national élu de la circonscription électorale des Kungu dans les Sud-Ubangi. Je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous faites partie de l'Union sacrée de la nation. Oui, au moins je vais placer un mot avant de terminer. J'ai dit aux collègues que aujourd'hui il n'y a pas une raison de nous parler aujourd'hui pétition contre les bureaux Mbosso, ceci, non. On a besoin de la stabilité des institutions. Si hier, il y a eu la déchéance d'un bureau, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, Mbosso est là, il a fait ce qu'il a fait. Et merci. On ne peut pas le juger en une année, en moins d'une année. Laisser Mbosso travailler tranquillement, il va nous amener et puis on va aller loin. C'est un fin stratège, c'est un fin politicien. Il mérite là où il est. Merci beaucoup. Vous êtes la majorité. Qu'est-ce que vous redoutez, même si cette pétition, tant que vous êtes majoritaire, elle ne pourra pas passer. Ouais. Qu'est-ce que vous redoutez? Non, alors, on a bouclé. Ça sera un essai cuisant si on arrivait même à déposer et puis aller au niveau des votes. Là, ça va. Donc, vraiment, ça sera un échec cuisant pour les pétitionnaires. Et puis, je ne veux pas qu'on conseille les amis de ne pas arriver là-bas et puis au moins se ressaisir. Très bonne soirée. Merci. Bonne session de septembre. Dans quelques instants, on change de sujet.